Moi, j'ai grandi dans un univers, on va dire, vraiment misogyne. Jusqu'à mes 18 ans, je devais fermer ma gueule, en fait. Bah, salut, moi, c'est Kalika. Je suis une jeune femme artiste. Donc, je fais de la chanson française, pop trash, et je suis aussi réalisatrice. Oui, mais après, on peut toujours l'être plus, tu vois. Et j'aimerais l'être plus d'ailleurs, mais je pense que je suis sur le chemin. Mais petit à petit, je m'ouvre à plein d'autres choses, je découvre aussi. Et je pense que je vais plus m'engager, mais que pour l'instant, j'ai plus eu la phase des révélations et aussi d'écriture dans mes chansons. J'avais besoin de m'exprimer sur certains sujets qui me tenaient à cœur. Mais je pense que je n'ai pas encore assez concrétisé dans des trucs plus fat, quoi, plus vraiment engagé féministe. Mais il faut que je le fasse et je vais le faire. Mes chansons, elles sont à la base ultra personnelles. C'est vraiment des histoires perso que je raconte. Et ça s'est fait petit à petit. En fait, en vrai, je suis jeune, hein, j'ai 23 ans, mais je veux dire, j'écris depuis des chansons depuis que j'ai 18 ans. Et en fait, c'était vraiment tous les trucs qu'on vit en tant que jeune femme que j'ai commencé à décrire parce que j'avais un peu la rage, parce qu'il y avait de l'injustice. Et dès qu'il y a de l'injustice, j'ai envie d'écrire dessus. Donc c'est ça, en vrai, que j'ai envie de montrer dans mes chansons, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et que sans prendre un point de vue moralisateur, mais plus le montrer pour qu'on s'en rende compte déjà, qu'on le voit, et qu'ensuite on réfléchisse ensemble à comment on peut faire mieux, tu vois. Enfin, en fait, j'ai eu plusieurs déclics, je pense même, parce que déjà, en fait, moi, j'ai grandi dans un univers, on va dire, vraiment misogyne. Jusqu'à mes 18 ans, je devais fermer ma gueule, en fait. Je devais rien dire. Et déjà là, j'avais quand même conscience, même en étant enfant, que c'était pas normal. Donc déjà, il y avait ce déclic-là de l'enfance, quand j'étais petite et comme je dis tout le temps, de la fermer, machin. J'écrivais, je pense qu'il faudrait que je retrouve mes journaux intimes, mais déjà, j'écrivais plein de trucs, genre c'est pas normal. Ça bouillonnait en moi et j'avais des choses à dire et on a des choses à dire, les femmes, et il faut pas qu'on nous empêche de les dire et il faut qu'on puisse les dire comme on veut les dire, tout le temps. Et c'est ça aussi que j'essaye de faire, voilà. Déjà, dans un truc simple pour les jeunes, suivre des comptes Instagram féministes. Donc qui sont assez didactiques et simples. Je sais pas, même Lorraine Bastide par exemple, c'est un exemple hyper courant, mais n'empêche que c'est vraiment une femme importante à connaître si vous la connaissez pas encore. Et elle explique hyper bien plein de problèmes qu'il y a dans la société par rapport au genre, aux stigmates, etc. Qu'on subit en fonction de notre genre. Et voilà, donc je pense déjà commencer par ça, c'est cool. Essayez, une fois que vous avez découvert ce genre de personnes et de discours, de reconnaître quand il y a des choses qui dépassent dans la vie de tous les jours, dans votre entourage, soit chez vos potes, dans votre famille, des trucs comme ça. Et aussi, encore après, la prochaine étape, une fois que vous avez capté, osez dire que c'est pas normal. Osez dire que c'est pas normal et même si ça peut créer un petit conflit sur le moment, pas besoin de s'énerver, il faut juste le dire, le remarquer, le dire et peut-être réfléchir ensemble pour toujours en fait faire de mieux, être de mieux en mieux, quoi. C'est une artiste en général et tout son album en fait, enfin son grand EP, je le trouve hyper inspirant là-dessus, c'est H. Nico. C'est une artiste américaine je crois, mais qui travaille aussi beaucoup en Angleterre. Et elle est ultra inspirante parce qu'elle est très puissante, elle a un truc guerrier. Moi, ça me parle parce que pour moi, genre, il faut qu'on ait ce truc en nous aussi, un peu guerrier. Sans, ça ne veut pas dire qu'on doit se faire la guerre, c'est-à-dire qu'on doit être ultra puissante et en avoir conscience. Et elle en a totalement conscience et elle défonce tout. Et elle fait du rap, elle chante, elle a une image, genre, personne ne lui ressemble.